projets, de leurs envies et de leurs passions est né ce grand rêve. Que leur bonheur soit aujourd'hui le vôtre, tous deux peuvent le lire dans vos yeux et c'est un immense cadeau que vous leur faites. Vous, la famille, les témoins, les amis, vous qui êtes là aujourd'hui, sachez que pour eux rien ne serait pareil, ni leur joie aussi grande, s'ils ne pouvaient partager ces instants avec vous. Dans la classe de 3e, au collège de Courcelles, il y avait Julie, petite demoiselle, qui arborait fièrement ses 14 printemps, et il y avait Steven, qui lui avait 16 ans. Souvent assis ensemble, ils suivaient les mêmes cours, et comme ils se voyaient pratiquement tous les jours, inévitablement des liens se sont créés, et petit à petit l'amour s'est infiltré, comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, avec tant d'insistance et avec tant de force. En 2010, et comme ils se connaissaient mieux, ils ont emménagé ensemble, tous les deux, pour faire l'apprentissage de la vraie vie d'adulte, avec comme conséquence tout ce qui en résulte. Toute votre vie. Oui. Oui. Dans le foyer que vous avez fondé, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui. Oui. Vous allez maintenant échanger vos alliances, qui sont apportées par Elio, bien sûr, accompagné des petits frères de Steven, les jumeaux Rodrigue et Romuald. Ils sont là. Que dans la mythologie romaine, l'anneau est le symbole du cercle de vie et de l'éternité. C'est pourquoi, dès la Rome antique, les époux échangent un anneau de métal.